إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, بإذن الله, on reprend donc l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc les repères de la sunna déployée concernant la croyance du groupe sauvé et assisté. On a fini un chapitre qui concernait bien sûr Asharat al-Sa'a, c'est-à-dire les signes, qu'ils soient mineurs ou majeurs, de l'heure, de la venue de l'heure, Yawm al-Qiyamah. Et donc on rappelle ou qu'on explique la croyance des gens de la sunna du consensus par rapport à ce pilier de la foi et qui est al-Iman bil Yawm al-Akhir, c'est-à-dire la foi au jour dernier. Donc on s'arrêtait au livre à la question numéro 107. Yaqul al-Shaykh rahimullah, ma dalilul iman bil maut. Bien sûr, on avait expliqué également que à Sa'a, il y avait plusieurs catégories. Sa'at al-Sughra wal-Wusta wa al-Kubra. Et bien sûr, al-Sughra, c'est la mort de la personne. Et donc on a foi en cette mort et ce qui va arriver après, tout ce qui va arriver après donc la mort de l'homme. Chaque personne donc meurt et qu'est-ce qui arrive après la mort de l'homme? Et à partir de là, le shir, également, il va continuer sur ce qu'on appelle fitnatul qabr. Et également ce qu'on appelle na'im al-qabr wa adhabu. Donc tout ça, on va le détailler. On va prendre bien sûr de ce qu'a dit le shir, s'appuyer sur les textes du shir, mais on va s'élargir pour, comme on le fait d'habitude, pour s'étaler sur certaines questions qui sont bien sûr en relation avec le sujet précis. Allah al-musta'an. Donc la question, c'est la suivante. Quelle est la preuve de la foi en la mort? Quelle est la preuve de la foi en la mort? Le shir va rapporter plusieurs versets, comme à son habitude. Donc tout le temps, il vient avec des versets, ensuite il vient avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sa méthode, on l'a vu plusieurs fois à travers l'explication du livre. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Ça, c'est le premier verset qu'il va citer, le shir. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez amené vers votre Seigneur. Donc ça, c'est la première preuve du Coran. La deuxième preuve qu'il donne, le shir, وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tout âme coûtera la mort. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous serez entièrement rétribué. Il cite aussi un autre verset, le shir, وَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ. Donc Allah Azza wa Jalla, en s'adressant à son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, il lui dit, en vérité, tu mourras et ils mourront aussi. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ. Donc personne n'échappe à la mort. Personne n'échappe à la mort, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas échappé à la mort. Tout homme. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin. Donc ça, c'est général. Kullu nafsin. Tout homme. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Si tu meurs, seront-ils eux éternels? وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ
Libacharim, là on voit encore que c'est général. A nul homme, min qabalik, avant toi, el khuld, l'immortalité, c'est-à-dire l'éternité dans cette vie d'ici-bas, bien sûr. Fa im mitta fahumul khalidun, si tu meurs toi, est-ce qu'eux ils seront éternels? C'est-à-dire qu'ils ne mourront jamais. Allah al-Musta'an. Et donc il a cité encore d'autres versets, le shir, comme la parole d'Allah Azzawajal, wa qala ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajha. Kullu shay'in halikun illa wajha. Ça aussi, c'est une preuve générale. Tout doit périr, sauf son visage, le visage d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, dans cette vie d'ici-bas, tout va périr, sans exception encore ici. Kullu shay'in halikun illa wajha. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le shir, il dit, par rapport à ce qui est de la sunna, il dit, wa ghayru dhalik min al-ayat. Tayyib. Wa fi min al-ahadith ma la yuhsa. والأمر مشاهد لا يجهل أحد وليس في شك وليس في شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان ذلك بأجل لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ. Donc il nous dit que par rapport à la sunna, pour ce qui est de la preuve de la mort, il y en a infiniment, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne pourrait compter. وَالْأَمْرُ مُشَاهَدٌ, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit tous les jours de nos propres yeux. Personne ne peut en fait ignorer. C'est-à-dire personne ne peut ignorer que après la mort, bien sûr la mort en elle-même, tout le monde sait qu'on meurt. Mais ce qui advient tout de suite après la mort, dès que la personne, elle meurt. Et donc, il dit que personne, en fait, n'ignore cela. Et que personne n'a de doute par rapport à cela. Lakin inad wa istikbar, c'est-à-dire que les gens s'enorgueillissent par rapport à cela. Et qu'ils ne veulent pas croire. Wa inad, c'est-à-dire entêtement. Et il dit que seuls, en fait, ceux qui croient comme il se doit, c'est-à-dire ceux qui croient réellement à cela, ce sont les serviteurs d'Allah Azzawajal, les croyants, ceux qui ont cru, et qui croient en fait que chaque personne qu'il meurt, c'est-à-dire d'une mort naturelle ou qu'il soit assassiné, tué par n'importe quel sabab, c'est-à-dire par n'importe quelle cause, alors ils savent que cela est l'arrivée de son terme, bi-ajali, c'est-à-dire lorsque son terme déterminé, c'est-à-dire que chaque personne, lorsqu'elle meurt, cela a été écrit et c'était déterminé par Allah Azzawajal. On va revoir ces questions de prédestination en détail. On va voir que le shir il pose beaucoup de questions pour ce qui est propre à la prédestination, et on va voir qu'il détaille et que ça va nous permettre en fait de comprendre toutes les catégories et toutes les étapes de la prédestination. Taïb. Et donc ici, de façon générale, on sait que chaque personne qui meurt, cela est avec un ibi ajalin, comme l'a dit Allah Azzawajal. Kulun, donc ça aussi c'est général, chacun. Yajali li ajalin musamma, poursuit sa course vers un terme qui est fixé, déterminé. Et également Allah Azzawajal dit, subhanahu wa ta'ala, fa idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, c'est-à-dire une heure, bien sûr un instant, c'est-à-dire lorsqu'on dit une heure, on a dit sa'atan, que c'est un terme qui était bien plus général qu'une heure. Il y a le maqsoud, il y a ni 60 minutes, non. C'est plus général. Une heure, c'est une partie en fait de la journée. Et ne peut le hâter non plus. Donc c'est quelque chose qui est écrit par Allah Azzawajal. Et la première chose, ou ce qui va arriver, c'est-à-dire la croyance que l'on doit avoir après que la personne meurt, et qu'elle soit enterrée, c'est ce qu'on appelle fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Et ça va être en fait la question 108 que nous pose le shir. Yaqul ma dalilu fitnatil qabr wa na'imihi wa 'adhabi min al-kitab. C'est-à-dire quelle est la preuve de l'épreuve de la tombe, ainsi que ses délices ou supplices qui sont tirés bien sûr du Coran. Donc il dit, il demande, la première question, c'est min al-kitab, bien sûr, par le Coran. Et ensuite, la deuxième question qui va suivre, ce sera d'après la sunna. Ici, il faut faire une différence. Lorsqu'on dit fitnatul qabr, et lorsqu'on dit na'im al-qabr, na'im al-qabr, wa adhabuhu,
sont deux choses qui sont différentes. On va voir que ce sont deux choses qui sont différentes. Et on va voir quel est al-maqsoud bi fitnatul qabr. Donc il y a une différence à en faire entre fitnatul qabr wa na'imul qabr adhab. Ce sont deux choses qui sont différentes et qui vont être traitées séparément. Donc fitnatul qabr, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Donc bien sûr, par rapport au verset, également par rapport aux preuves, il faut bien voir et faire la différence. Donc peut-être certaines preuves vont être plus générales, taïb, et d'autres vont être plus particulières. À la kulli hal, fitnatul qabr, c'est l'épreuve de la tombe. Et qu'est-ce que al-fitna au niveau de la langue arabe? C'est al-ibtila wa al-imtihan. Al-fitna au niveau de la langue arabe, c'est al-ibtila wa al-imtihan, c'est-à-dire l'épreuve, le test, le contrôle, tout ce qui rentre en fait dans cette notion, dans ces notions. Al-ibtila wa al-imtihan, ça c'est al-fitna. Comme a dit Allah Azza wa Jal, inna ma amwalukum wa awladukum fitna. C'est-à-dire, certes, vos biens et vos enfants fitna. Allah Azza wa Jal les a nommés comment dans son Coran? Fitna, c'est-à-dire une épreuve. C'est-à-dire un ibtila ou un imtihan. Comment cela? Est-ce que vous allez craindre Allah Azza wa Jal par rapport à eux? Cet argent, ces enfants, est-ce qu'ils vont vous détourner de votre religion? Est-ce qu'ils vont vous détourner de l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Ça, c'est une fitna, ça, c'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jal, il nous fait descendre sur cette terre. Et bien sûr, elle fitna, elle peut être aussi bien dans le mal que dans le bien. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal yaqul wa nabluukum bisharri wal khayr fitnatan. Bisharri wal khayr fitnatan wa ilayna turja'un. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, c'est-à-dire, on voit ici le verbe qui vient du terme al-ibtila. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, c'est-à-dire qu'on vous, on vous éprouve par le mal et par le bien, également par le bien. Donc al-amwal, c'est un bien, al-awlad, c'est un bien, mais c'est également une fitna. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal قال فِتْنَةً بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, c'est-à-dire que le mal et le bien, c'est une fitna pour la personne. On peut voir par moment une personne qui est riche, mais sa richesse est une fitna pour lui. Wallah que c'est une fitna, une grande fitna d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de l'argent. Ça peut être une grande fitna. Ça peut être une fitna qui va le faire sortir de l'iltizam, c'est-à-dire de la droiture, etc. Comme on peut le voir. Wallah al-musta'an. Donc le bien comme le mal, c'est une fitna. Wal-murad bil-fitna ici, donc on est dans fitnatul qabr. Al-murad, c'est ça exactement. C'est su'al al-malakain al-mayta an rabbihi wa dini wa nabihi. Ça, c'est la définition de fitnatul qabr. Donc, si on demande qu'est-ce que fitnatul qabr, à ne pas, il ne faut pas mélanger avec na'im al-qabr, c'est-à-dire les délices et les supplices de la tombe. Et donc, al-fitna, fitnatul qabr, su'al al-malakain. La question des deux anges, su'al al-malakain. Al-mayta an rabbi wa dini wa nabi, c'est-à-dire c'est la question des deux anges. On va voir donc dans le hadith où il nous est précisé cela. Al-mayt, le mort, au sujet de son seigneur, au sujet de sa religion et au sujet de son envoyé, de son prophète en qui il a cru. Donc ça, fitnatul qabr, c'est ce qu'on appelle fitnatul qabr. Et on va voir que fitnatul qabr, tout le monde subit cette épreuve. On va voir en fait qu'il y a une divergence, mais on va voir que la parole authentique, c'est que tout le monde subit cette épreuve. Et également, lorsqu'on dit fitnatul qabr, donc on dit l'épreuve de la tombe, est-ce que ça veut dire que la personne qui n'est pas enterrée, est-ce que ça veut dire que cette personne-là n'est pas concernée par cette fitna? Non. En fait, c'est de façon générale. Lorsqu'on dit fitnatul qabr, la façon générale, c'est-à-dire dans la plupart des cas, les gens ils sont enterrés. Mais celui qui n'est pas enterré, celui qui est mort par exemple dans la mer, noyé, on n'a pas retrouvé son corps, etc. La personne qui n'est pas enterrée, elle subit en fait cette épreuve. Et donc, et c'est là qu'il est bien de préciser ce point qui est essentiel avant de continuer dans ces cours, et ce qui va suivre, c'est que fitnatul qabr min umur al-ghaybiyya. Min umur al-ghaybiyya. Ahwal al-mawta min umur al-ghaybiyya. C'est-à-dire que tout ce que va subir le mort, et donc notamment ce qui rentre dans le fitna, fitnatul qabr, ça fait partie des choses qui sont de l'invisible. Et c'est des choses dont on ne la majal il aqfi, c'est-à-dire qu'on ne peut
que notre cerveau, ou plutôt notre raison, ne peut comprendre. Nous, on voit et on comprend des choses que l'on a déjà, dont on a eu l'expérience dans notre vie, les choses que l'on voit autour de nous. Mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues et qui rentrent dans l'invisible, mais qui sont bel et bien présentes, et qu'Allah Azzawajal a déterminé. Donc, croire en fitnat al-qabr et croire en tout ce qui advient aux morts, ça fait partie min umur al-ghaibiyya. Et comme on avait dit, que al-iman bil-ghaib, la foi en invisible, c'est l'attribut qui est le premier attribut dont Allah Azzawajal a annexé aux croyants. Al-iman bil-ghaib, comme on l'a vu dans le début de surat al-Baqarah. Al-ghaib. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc c'est pour ça que la personne qui soit enterrée ou qui n'est pas enterrée, elle subit fitnatul qabr. Qu'elle soit morte dans la mer ou etc., dans toutes circonstances, qu'elle soit morte, elle subit fitnatul qabr. Et elle subit tout ce que la personne qui est enterrée subit. Donc lorsqu'on dit fitnatul qabr, ala tahriban, tahriban, c'est-à-dire dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive à la personne. Et c'est pour ça que c'est pris en compte comme tel. Donc le cheikh va donner des preuves par rapport à cela, des preuves qu'on va expliquer en détail. Des preuves qui sont tirées du livre d'Allah Azzawajal et de la sunna, ce qui va nous donner le cheikh. Et également, bien sûr, al-ijma', sachant que al-ijma' fait partie, bien sûr, des bases de la jurisprudence, de la loi musulmane. Quand on dit, bien sûr, al-sharia, ça rentre également dedans, al-aqida, c'est-à-dire également la croyance. Le premier verset que l'on va, et qui n'est pas le premier verset que le shir il cite, mais le premier verset que l'on va citer pour ce qui concerne fitnatul qabr. Donc nous on va faire une différence ici entre fitnatul qabr bien sûr et na'im al qabr wa adab. Bien sûr ici le shir lui ajmala, c'est-à-dire de manière générale il cite, parce que il faut savoir que fitnatul qabr advient, et également advient le délice et le supplice, c'est-à-dire une fois que la personne elle est morte. Donc le shir, mujmalan, c'est-à-dire de façon générale, il a cité les preuves qui sont propres fitnat al-qabr et qui sont également propres à ce qui advient après cette fitna comme na'im et comme adab, c'est-à-dire comme délice et comme supplice. Donc le shir, lui, il a cité de façon générale, mais nous on va détailler pour mieux comprendre et pour également pouvoir étudier certaines questions qui sont en relation avec cela. Le premier verset que l'on cite, يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا au fil akhira. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ça, c'est le verset ou le premier verset qu'on étudie. Et par rapport au shir, lui, il l'a cité en troisième position. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Tayyib. Ce verset-là, c'est une preuve de quoi ? De fitnatul qabr. C'est une preuve de fitnatul qabr. On dit bien fitnatul qabr ici. C'est bien plus précis. C'est bien plus précis que de dire yani dalil fitnatul qabr wa na'imi wa adhabi. On a vu que le shirk de façon générale. Mais ici, le verset qu'il a choisi et qu'il a pris dans son livre, qu'il a cité, c'est en relation avec fitnatul qabr, précisément. Donc, ça, c'est la première précision qu'il faut faire. La deuxième précision, lorsqu'on cite une preuve, bien sûr lorsqu'on veut argumenter un point bien précis de la croyance, il faut automatiquement venir avec une preuve, que ce soit du Coran et de la Sunna. C'est la première étape, c'est clair. La deuxième étape, c'est de savoir si c'est authentique ou pas. Si c'est du Coran, on passe bien sûr cette étape, comme tout le monde le sait, et on passe donc à la troisième étape qui est de savoir où se trouve le shahid, ce qu'on appelle le shahid et qui est l'argument ou le témoin argumentatif, al-shahid. Et ensuite connaître wajhul istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif. Donc ça, c'est quatre étapes qu'on avait déjà détaillées dès les tout premiers cours qu'on avait donnés dans ce livre.
ça remonte à plus de 2 ans, alhamdoulilah, c'est assez vieux. À la Kulli Hal, on avait détaillé ces étapes pour comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que c'est ce qui va nous servir à comprendre tous les points que le cheikh va citer de façon générale et de manière particulière. Et donc là, on voit que lorsqu'Allah Azzawajal yaqul, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ça, c'est donc une preuve que le cheikh a apportée. Maintenant, si on vous pose une question, on vous dit où est le shahid ? Donc on passe à l'étape suivante. On n'a pas parlé d'authenticité pour ce qui est du Coran, bien entendu. Donc on passe à la troisième étape, et qui est de savoir où se trouve Ash-Shahid. Qu'est-ce que vous allez répondre? Il faut savoir que par rapport à la réponse, il y a un irtilaf, une divergence entre les savants pour dire où se trouve ici Ash-Shahid. Où se trouve Ash-Shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif. Certains savants ont dit qu'il se trouve, fi qawlillah azzawajal, fil hayati dunya, c'est-à-dire dans la vie présente. Et d'autres ont dit non, ce n'est pas ash-shahid. Ash-shahid, c'est fi qawlillah azzawajal, wa fil akhirah, c'est-à-dire et dans l'au-delà. Et comment en fait on va comprendre cela? Tout simplement, ceux qui ont dit que fil hayati dunya, c'est-à-dire dans la vie présente, ils ont dit c'est cela, ash-shahid, ils disent en fait que as-sa'a, c'est-à-dire le jour du jugement, n'est pas encore advenu. As-sa'atu lam takun ba'd. Le jour du jugement, il n'est pas encore advenu. C'est-à-dire que la vie présente continue, même après la mort de la personne, ça c'est relatif à lui, mais la vie présente, elle continue. Donc, le jour du jugement, il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, bien sûr, Sa'atul Kubra. Donc, on voit bien ici la différence. Al-Maqsoud bi-Qawliha Ula il-Ulama. C'est-à-dire, Sa'atul Kubra. Ils disent donc qu'elle n'est pas encore venue. Donc, on dit que Shahid fil Hayati Dunya. Dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. Ou dans la vie présente. Taïb. Et les autres savants ont dit non. Shahid c'est Wafil Akhira. Et quelle est leur preuve à eux? Et la preuve qu'ils vont apporter, c'est une preuve de la Sunna, et c'est une preuve en fait qui va nous permettre de dire que Ash-Shahid, effectivement, c'est fi qawlillah azza wa jal wa fil akhirah, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est ça Ash-Shahid, dans le verset. Donc c'est bien d'apprendre, d'avoir appris le verset, de savoir que c'est une preuve du Qur'an pour attester fitnatul qabr, contrairement à certaines sectes qui l'ont nié, comme on va le voir plus tard. Il est bien de savoir comment on fait pour prouver l'argumentation. C'est-à-dire comment on va prouver que ce verset est bel et bien une preuve. Wa fil akhira. Taïb. Donc Allah Azza wa Jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawl thabit. Bien sûr, qui est Ashhadu an la ilaha illallah. C'est-à-dire ça, c'est al qawl thabit. Kalimat al tawhid. Fil hayati dunya wa fil akhira. Wa fil akhira. Les savants disent en fait que l'akhira ou que fitnat al qabr, ça va être considéré, ou Al-Qabr plus précisément, ça va être considéré comme la première étape dans l'au-delà, dans la première étape de l'au-delà. Et ils vont prendre comme preuve un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, et avant lui par l'imam Ahmed, et également par Ibn Majah, et qui est un hadith qui est authentifié, ou plus précisément Hassan al-Albani, comme fi Sahih At-Tirmidhi wa Al-Mishkat, yani Mishkat Al-Masabih. Et c'est un hadith où Hani'an, qui est en fait Mawla Othman, qui était le serviteur de Othman, radiallahu ta'ala anhum, qui lui a parlé, c'est-à-dire son serviteur a parlé à Othman. Il lui a dit, « Iza waqafa ala qabrin yabuki hatta yuballa lihyata. Faqila lahu, tuzkaru al-jannatu wal-nar, falatabuki. Watabuki fi hada. Faqal. » Donc Othman, et c'est en fait ce que nous rapporte Hani'an, il disait que lorsqu'il était debout devant une tombe, il a waqafa ala qabrin yabuki, c'est-à-dire il pleurait, jusqu'à que sa barbe soit imbibée d'eau, c'est-à-dire de par ses larmes, imbibée de larmes, bien sûr. Alors on lui a dit, lorsqu'on te rappelle le paradis et le feu, fala tabki, c'est-à-dire bien sûr tu ne pleures pas, ou tu ne pleures pas comme tu pleures à ce moment-là. Faqal. Et c'est à ce moment-là donc qu'il a dit, Othman,
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة هذا هو الشاهد. C'est-à-dire que le qabr, c'est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Donc ça rentre dans quoi? Dans l'au-delà. Et ça rentre donc dans la parole d'Allah Azzawajal, وَفِي الْآخِرَ وَفِي الْآخِرَ. Et la suite du hadith du prophète sallam, فَإِنَّا جَمِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. Si il est sauvé de cela, de cette épreuve-là, il dit alors ce qui advient après, après bien sûr cette épreuve de la tombe, أَيْسَرُ مِنْهُ, c'est-à-dire que ce qui adviendra après cela, ce sera plus simple. أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. C'est-à-dire que si il n'est pas sauvé de cela, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas par rapport à cette épreuve, alors ce qui va advenir après sera encore plus dur. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَمْ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْضَرًا مِنْهُ. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui était plus effrayant que cela, ce qui va se passer fil qabr. Donc à partir de là, la preuve wafil akhira, c'est celle qui était donnée par les savants et qui sont appuyés donc sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que wafil akhira et que la première étape c'est al qabr. Et bien sûr ici fitnatul qabr, inna Allah azza wa jalla yuthabbitu Allah alladhina amanu. Allah raffermit les croyants. Lorsqu'on va nous demander donc, parce que ça c'est la réponse qui va être dit ou qui va être, que l'on va dire aux deux ou avec laquelle on va répondre aux deux anges. Alors il faudra qu'Allah Azzawajal nous affirme à ce moment-là. Ce sera grâce à Allah Azzawajal, par l'affirmissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Et comme on va le voir également dans un autre hadith du prophète sallam, qui à ce moment, au moment où il est enterré la personne, il nous informe le prophète sallam que c'est à ce moment-là la personne qu'elle est questionnée. Et c'est pour ça qu'il nous dit le prophète sallam de demander à ce moment-là al-thabat à Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'on demande qu'Allah Azzawajal affirme le croyant à ce moment-là. Comme on va le voir. Donc maintenant on comprend bien quelle est la preuve. Ma huwa ash-shahid wajhul istidlal tab'an. L'aspect argumentatif. Lorsqu'on voit la première partie du verset et ensuite la suite du verset. Parmi les versets également que le shir il a donné, donc ça c'est le premier verset que l'on a donné. Et pour ce qui est en fait de Dalil fitnatul qabr wa na'im wa adabu, on va voir qu'il donne aussi des versets qui vont être plus. Des versets qui vont être plus généraux. Et le premier verset qu'il a cité, le shir, c'est قول الله عز وجل قال الله تعالى يقول الشير قال الله تعالى جوابا عن هذا السؤال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. Donc on voit le terme qu'on a déjà vu dans les cours précédents. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc ici, on voit que al-barzakh. Et ici, bien sûr, al-barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Donc ça, c'est bien une preuve. Au moment où la personne, elle est morte, wa min wara'ihim barzakhun, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire. Ici, on a vu le terme ici, qui est traduit bien sûr par barrière, et qui est l'intermédiaire, al-barzakh, et on a vu que ce terme donc est pris pour dire, ou que les savants prennent ce terme pour dire al-hayatul barzakhiyya, c'est-à-dire la vie intermédiaire qu'il y a entre la vie ou la vie d'ici-bas et l'au-delà. Donc c'est une vie qui est intermédiaire, al-hayatul fil qabr, et ce qu'on appelle hayatul barzakhiyya. Et ils prennent, bien sûr, ce terme, ils le tirent du Coran, comme dans ce verset. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmin Yub'athun, barzakh, al-barzakh. Également le deuxième verset qu'il cite et qui est un verset également important et qui nous prouve ici plus précisément Azab al-Qabr et bien sûr en opposé al-Na'im. Lorsqu'on va automatiquement prouver l'Azab, on va prouver également Na'im, c'est-à-dire s'il y a automatiquement un délice ou plutôt un supplice, il y aura le délice. Et c'est le verset suivant, un verset qui est clair par rapport à cela. يقول الله عز وجل وقال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
Et le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Donc regardez bien que ici, c'est un feu. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc c'est un feu, ils sont exposés à ce feu matin et soir. Ici, Azad. Comment on sait que c'est okay, comment on va comprendre et comment on va voir Wajul Istidlal, l'aspect argumentatif, c'est qu'après Allah Azza wa Jalla yaqul wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Donc le jour du jugement n'est pas encore arrivé et pourtant ils sont ici châtiés. Donc il faut bien comprendre, si on demande maintenant quelle est la preuve ash-shahid awalan, c'est bien sûr an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Ça c'est ash-shahid. Ensuite Wajul Istidlal, comment on comprend? C'est par la suite du verset. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'être exposés au feu, du matin au soir. Et ensuite, lorsque l'Yom al-Qiyama, c'est-à-dire lorsque l'As-Sa'a, lorsque l'heure va venir, le jour où l'heure arrivera, bien sûr, et qu'il y a Yom al-Qiyama, alors à ce moment-là, on va les rentrer dans quoi, bien sûr? Dans un châtiment qui est encore plus dur et qui est bien sûr le feu de l'enfer. Adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab. Donc on voit bien qu'il y a ici deux châtiments. Un châtiment qui est avant que As-Sa'a, c'est-à-dire que l'heure arrive, et un châtiment qui est après que l'heure arrive. Donc là c'est clair que c'est bel et bien le châtiment durant la tombe. Que c'est le châtiment qui se trouve durant la tombe. Ça c'est une preuve. Une preuve évidente. Qui prouve donc que dans la tombe, il y a un châtiment. Donc contrairement, c'est une preuve qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre pour donc argumenter contre les gens de l'innovation, ceux qui ont dénié cela. Car il y a des gens parmi dans l'islam qui ont dénié cela, comme on va le voir, des groupes. Et parmi ceux qui ont dénié cela, comme nous l'explique l'imam al-Nawawi, fil-Shahih Muslim, il dit al-Khawarij. Al-Khawarij, qui ont dénié cela. Al-Khawarij. Il dit également Mu'adham al-Mu'tazila, la plupart des Mu'tazila, les Mu'tazilites. La plupart des Mu'tazila également, ils ont dénié cela. Et il dit Ba'du al-Murji'a, certains de la secte des Murji'a également qui ont dénié cela. Donc tous les Khawarij, la plupart des Mu'tazila et certains parmi les Al-Murji'a, c'est ceux qui ont en fait dénié qu'il y avait donc tout, qu'il se passait tout cela dans le Qabr. Que ce soit le fitna, que ce soit le na'im, que ce soit l'adab. Allah al-Musta'an. Donc c'est bien d'apporter des preuves qui sont claires et évidentes, où il n'y a pas en fait à aller plus loin lorsqu'on a pris comme preuve le Coran et qu'on va le voir également la sunna. Alhamdulillah. Il a cité également le shir d'autres versets. Taïb. On va passer maintenant à la question numéro 109. Il pose la question « Ma dalil ou dhalika min sunnah ?» Donc on a pris des preuves, on a expliqué ici en l'occurrence trois versets. Et on va prendre également maintenant des preuves de la sunnah. Il dit « Al-ahadithu s-sahihatu fi dhalika balagat mablag al-tawatur fa minha hadithu Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal » Donc il va, le premier hadith qu'il va nous citer, c'est le hadith de Anas. Et bien sûr, les hadiths qu'il va citer, ils sont tous authentiques. Ils sont rapportés par l'imam Bukhari Muslim ou à l'un d'eux. À la Kulihai, ils sont tous authentiques. Et il nous dit bien sûr que on voit encore le terme tawatur qui revient. C'est un terme qui revient beaucoup chez les savants, tawatur. Parce que c'est important. C'est le plus haut degré d'authenticité, tawatur. C'est pour ça qu'on dit que le Qur'an mutawatir. C'est-à-dire que la chaîne de transmission. Le Qur'an, il a une chaîne de transmission. Il nous a été, Alissa Kadaïk, il nous a été rapporté, comme les hadiths, ils ont été rapportés. Mais le Coran, il était rapporté par un très très grand nombre de personnes. Dans la chaîne, donc, il y a des rapporteurs, ce qu'on appelle tabaqat, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs niveaux. Celui qui le rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les sahaba, celui qui les ont pris, les sahaba, ce sont les tabirin, et ainsi de suite. Et donc dans chaque tabaka, c'est-à-dire dans chaque niveau, on va retrouver un très très grand nombre de gens. Comme par exemple le Coran, on va trouver peut-être des milliers ou des millions de gens. Donc c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle tawatur.
tawatur, c'est-à-dire qu'on trouve des, on trouve à chaque niveau de la chaîne de transmission, on trouve un grand, très très grand nombre de rapporteurs, très très grand nombre de rapporteurs. On va profiter de cela pour dire que c'est en fait ce khabar, c'est-à-dire cette information qui nous est venue, c'est quelque chose qui est yaqini, c'est-à-dire que l'on connaît donc par la certitude, yufid al-yaqini, c'est-à-dire c'est une certitude absolue que ce khabar il est bienvenu, il nous est bien arrivé et qu'il est bien venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour le Coran c'est clair, et pour les hadiths, il y a des hadiths qui sont comme cela. Des plusieurs hadiths qu'ils ont tellement été rapportés par les sahaba, qu'ils ont tellement été rapportés par un grand nombre de ceux qui les ont rapportés, des sahaba, tabi'in, etc., jusqu'à ce qu'ils nous viennent, bien sûr, avec la chaîne de transmission complète, qu'on dit que ce hadith-là, il est mutawatir, tellement il y a des gens. Et cela, bien sûr, ça yufid al-yaqin, c'est-à-dire que c'est une certitude absolue que ces informations sont bel et bien attestées. Elles sont bel et bien véridiques. Certains savants, pour expliquer, ils donnent un exemple simple. Un exemple simple. Si par exemple, toi, tu te trouves dans une ville, par exemple, tu te trouves à la Mecque, et il y a une personne qui vient t'informer qu'à Médine, il pleut. Taïeb, une personne. Tu vas prendre le khabar, ou on va dire une grande averse, en ce moment, il y a une grande averse à Médine, tu vas prendre son khabar. Si une deuxième personne vient te dire cela, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, chaque fois que le nombre, il va grandir, comment dire, ta certitude ne va-t-elle pas grandir? Eh bien ici c'est pareil. Lorsque tu sais que un très très grand nombre ont rapporté ce hadith ou ont rapporté ce khabar du prophète sallam, un très grand nombre à chaque niveau de la chaîne de transmission, alors tu es sûr que c'est bel et bien la parole du prophète sallam, c'est-à-dire une certitude absolue. Et ça c'est le plus haut degré de tawatur, c'est-à-dire qu'on ne peut nier, on ne peut en aucun cas nier ce qui est en fait mutawatir. C'est pour ça que c'est important de connaître ce terme, savoir ce qu'il veut dire et pourquoi les gens de la science l'utilisent. Pourquoi les gens de la science l'utilisent. Et notamment lorsqu'ils l'utilisent et ils prouvent que c'est bel et bien mutawatir, on sait par là qu'il va y avoir d'autres gens qui nient ces choses-là. Donc pour leur prouver et pour leur dire qu'il n'y a aucun doute que cela en fait est bel et bien authentique. C'est-à-dire ce que vous niez, votre reniement est faux, absolument faux. Donc c'est pour réfuter leur reniement, ce qu'ils renient. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour ça, yaqul al-shaykh, balarat mablarat tawatur. Donc on atteint le degré de cette authenticité. Parmi les hadiths qu'il va nous citer, le shaykh, hadithu Anas, radiyallahu anhu anna rasul sallam qal. Donc ça c'est un des hadiths qui est connu et qui est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. Lorsque العبد. Donc on voit le terme ici. C'est un terme qui est important parce qu'on va revenir à une question qui est précise par rapport à ou qui revient comme argumentation par rapport à l'utilisation de ce terme. إن العبد. C'est-à-dire le serviteur ou l'homme de façon générale. Donc العبد. On a vu au tout premier cours qu'il nous avait donné le shir. C'était l'une des premières questions dans le cours que العبد. On peut vouloir dire par l'abd le serviteur, celui qui s'est soumis à Allah Azzajal, mais on peut vouloir dire par l'abd un terme qui est bien plus général, qui veut dire en fait tous les hommes, de façon générale, que ce soit les mécréants ou que ce soit les croyants. Pourquoi? Parce que l'abd, même le mécréant, c'est un abd, c'est un esclave, parce que le mécréant, il ne fait pas ce qu'il veut dans la vie d'ici-bas. Pour vivre, il est obligé de se nourrir, il est obligé de boire, obligé de manger, il est obligé en fait de suivre des lois qu'Allah Azzajal l'a mis. Sous cet aspect-là, c'est un abd. Donc c'est pour ça que le terme ici, al-abd, il peut vouloir dire le serviteur, c'est-à-dire le croyant, et il peut vouloir dire également, dans d'autres cas, ce qui est plus général, c'est-à-dire l'homme. Et ici, il veut dire l'homme. Et on va voir pourquoi. Pourquoi on précise cette précision. Inna al-abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu. Donc là, au moment où il est posé dans sa tombe, idha wudi'a fi qabrihi, au moment où il est posé dans sa tombe, et que ashabu, c'est-à-dire les gens qui l'ont accompagné, Il s'éloigne de lui. Et au moment où il s'éloigne, alors qu'il entend encore le bruit de leurs pas, le bruit de leurs pas, c'est-à-dire que c'est direct. C'est direct. C'est automatiquement et c'est directement une fois qu'il est mis. C'est-à-dire que cette précision qui nous est donnée dans le hadith, c'est qu'à peine les gens sont déjà à peine partis, il entend à peine les bruits donc de leur départ,
que déjà les deux anges viennent, Ata ou Malakan, ils vont le faire s'asseoir. Fayaqulan, ma kunta taqul fi hadha ar-rajul. Il lui demande, qu'est-ce que tu disais par rapport à cette personne-là? Fi hadha ar-rajul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils leur disent, qu'est-ce que tu disais par rapport à cette personne-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a fitnatul qabr. Ici donc la preuve que va nous donner le shir, c'est par rapport à fitnatul qabr. Fa'amma al-mu'min fayaqul ashhadu annahu 'abdullahi wa rasuluh. فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا. Le croyant, bien entendu, et c'est ici donc qu'on voit la parole dans le verset ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. Il dit اشهد انه عبد الله ورسوله, je témoigne qu'il est serviteur d'Allah azza wa jal et également son envoyé. Alors à ce moment-là, ils leur disent, regarde ta place dans le feu. On brûle la maqadika minanar. Regarde d'abord ta place dans le feu. Qad abdalak Allah bi maqadan min al-jannah. Allah Azza wa Jal te l'a changé, te l'a remplacé par une place au paradis. Et il les verra ainsi tous les deux. Il va voir cette place du feu, il va voir cette place du paradis, celle qu'Allah Azza wa Jal lui a changée. Donc on voit qu'à la base il aurait été destiné au feu s'il n'avait pas cru en qui ? Qu'il n'avait pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah Azza wa Jal, de par sa croyance, lui fait changer quoi ? Lui fait changer cette place dans une place qui se trouve au paradis. Qala Qatada wa dhukira lana annahu yufsah fi qablihi thumma raja'a ila hadith Anas. Donc Qatada, qui est un des reporters, il explique comment en fait on va élargir sa tombe. Et ensuite il revient donc, il continue sur le hadith de Anas qu'il rapporte. قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول. Donc on voit ici في اللفظ وأما المنافق والكافر. C'est également ce qui est important ici. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول أو كنت أقول ما يقول الناس. C'est-à-dire qu'on va leur demander ce qui est de l'hypocrite et du kafir. Donc ici, regardez bien l'ov. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ. Donc ils vont dire à ce moment-là, je ne sais pas. J'ai dit ce qu'ont dit les gens. Également ici, c'est important de voir comment ils vont répondre. لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولْ مَا يَقُولُ النَّاسِ. Je ne sais pas. Je disais ce que disaient les gens. فَيُقَالْ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُبْرَبُوا بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضربة فيصيح صيحة اسمعها من يلي غير الثقلين. نعم. Tu n'as donc rien su. Tu n'as donc rien su et donc rien saisi. ويضرب بمطارق من حديد ضربة. C'est-à-dire qu'il va être, on va le frapper avec une massue de fer. D'un coup qui va être si fort, من حديد ضربة فيصيح صيحة. Il va crier un cri qui va être un cri terrible. Un cri qui va être terrible, un cri poussé. فَيَصِيحُ سَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. C'est-à-dire donc qu'il va, tout le monde va l'entendre. يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ. Tous ceux qui sont bien sûr aux alentours, ils vont entendre ce bruit-là. Sauf الثَّقَلَيْنِ. وَالْمَعْنَا الثَّقَلَيْنِ, bien sûr, ce sont الجن والإنس. C'est-à-dire les humains et les hommes. Les humains et les hommes n'entendent pas ce cri que va pousser la personne. Al-Munafiq ou Al-Kafir, l'hypocrite ou le mécréant. Sauf, c'est-à-dire, tout le monde va l'entendre, sauf ces deux, bien sûr, les humains, les djinns. Allah al-Musta'an. Également, un autre hadith qui nous rapporte le shir, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Lorsque l'un de vous meurt, sa place lui est exposée matin et soir. C'est-à-dire, bien sûr, on comprend ici donc dans le qabr. Et ça, bien sûr, ça revient au hadith où les deux places lui sont montrées. In kana min ahli jannati fa min ahli jannah. S'il fait partie des gens du paradis, donc on lui montre, bien sûr, on lui fait voir sa place qui est au paradis actuel. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nar. Ici, bien sûr, parmi les gens du feu, alors on lui montre sa place dès qu'il est déjà dans sa tombe. Regardez. Ça aussi, ça rentre fil al-adhab. Pourquoi ? Parce que la personne, lorsqu'elle s'est déjà
où elle va aller, ça va être terrible. Et lorsque le croyant sait où il va aller, c'est un délice, il sait où est sa destination. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Ceci t'a pas jusqu'à qu'Allah Azza wa Jalla te ressuscite le jour de la résurrection. Également le hadith qui a été rapporté par le prophète lorsqu'il est passé bien sûr devant les deux tombes. إنهما لا يعذبان, c'est-à-dire ces deux tombes ou les deux morts qui sont dans les tombes, ils sont châtiés. Comme on le dit, c'est tous des hadiths qui sont muttafaqun alayh. Également le hadith de Abu Ayyub où le prophète sallam sorti après le coucher, il est sorti après le coucher du soleil. يعني وقد وجبت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت فسمع صوتان فقال يهود تعذب في قبورها. Il a dit donc s'il s'agit de juifs qui sont châtiés dans leur tombe. يهود تعذب في قبورها. Ça bien sûr c'est une preuve pour ce qui est bien sûr du al-azab. Pour ce qui est donc al-azab et également en Na'im. Ça est une preuve encore de la Sunna. Également encore un autre hadith que le Shir, il nous cite. Ce hadith-là, il est uniquement rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est hadith Asma. Qama Rasulullah sallam khatiban, fadhakara fitnat al-qabr. Il s'est levé le prophète sallam wa yakhtub, c'est-à-dire qu'il a fait un sermon devant les gens. Fadhakara fitnat al-qabr allati yuftatanu biha al-mar'u. Et il a donc cité Fitnatul Qabr. Donc on voit bien ici l'ordre. Fitnatul Qabr. Il a cité donc l'épreuve de la tombe par laquelle les gens sont éprouvés. Fiha al-mar'u. Et donc al-mar'u, c'est encore un terme qui est général. Falamma dhakara dhalika dajja al-muslimun dajjatan. C'est-à-dire que les musulmans se sont mis à agiter. C'est-à-dire que ça, c'est un khabar qui est azim. Qu'est-ce qui va se passer dans notre tombe? Wa qala Aishatu radiyallahu anha ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'du. C'est-à-dire qu'après cela, Aïcha n'a pas vu le prophète sallam sans qu'il fasse une prière, et dans chaque prière qu'il faisait, donc, il demandait la protection contre Azab al-Qabr. Wa fi qissat al-Kusuf, également, ça aussi, c'est un autre hadith lorsque l'éclipse du soleil. Ce hadith-là, il est rapporté par al-Bukhari Muslim, mutafaqun alayh. Et lorsqu'il aura dit. Il a dit à ses compagnons, le prophète sallam, il les a ordonnés au Amroum sallam, an yata'awadhu min azab al-qabr. Qu'ils se demandent protection, bien sûr, à Allah azzawajal, contre min azab al-qabr, contre le châtiment de la tombe. Et ensuite, le shi'al dit, wa kullu hadhi al-ahadith fi sahih. Wa qad suqna minha nahwa 60 hadithan, min turuq thabitatin an jama'atin min as-sahaba. Non, en fait, le shi'al dit qu'il a rapporté beaucoup de hadiths qui sont authentiques dans son livre, dans un de ses livres qui s'appelle, il nous dit plus de 60 hadiths, hein, plus de 60 hadiths. Min turuq thabita an jama'atin min as-sahaba. Il nous dit de revenir à son livre qui s'appelle bien sûr Sulam, et en fait qui est Sulam al-Usul ila ilm al-Usul fi ilm al-Tawhid, fi al-Tawhid. C'est-à-dire c'est un livre qu'il a écrit le Shir qui est à la base des vers. Et ces vers-là, il les a expliqués, et ce livre, donc, lorsqu'il a expliqué ces vers, ses propres vers qui sont en relation avec la croyance, et qui traitent de toutes les bases de la croyance des gens de la Sunna et du consensus, il a donc expliqué ces vers qu'il a fait, le Shir lui-même, rahimallah, et ce livre, lorsqu'il l'expliquait, il l'a intitulé Ma'arij al-Qabul. C'est un livre qui est connu, Ma'arij al-Qabul. C'est un livre qui est donc connu, qui est étudié ici en Arabie Saoudite, un livre qui est connu dans les gens de la Sunna et du consensus. Et c'est un livre qui vient après le livre qu'on étudie, c'est-à-dire que c'est un livre qui est beaucoup plus détaillé. Ici, ce livre est le Mukhtasar, c'est-à-dire le livre qu'on étudie, il est quand même restreint, il est résumé. Et ce livre-là, c'est le même au niveau de quoi? De l'ordre. C'est le même, mais sauf qu'il est beaucoup plus détaillé. Il rapporte beaucoup plus de preuves, il rentre dans d'autres questions, donc il est plus détaillé. Non. Et parmi donc les autres hadiths également que l'on cite de la Sunna, il y a un hadith qui est rapporté donc également par l'imam al-Bukhari. « Iza uqaida al-mu'min fi qabri ata » Utiya, thumma shaydan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadhalika qawluhu. Donc ici, c'est une preuve également. Donc on a expliqué le verset. Yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. On a vu que ce verset-là, c'est une preuve. Mais également, on sait que c'est une preuve par rapport à Fitnat al-Qabr, d'après l'explication du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que pour le Coran, on revient au Coran, on revient également au hadith, c'est-à-dire on revient à la sunna du prophète, c'est la deuxième étape dans l'explication, dans l'interprétation du
Coran. Et ici, le prophète sallam dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit « Iza uqid al-mu'min fi qabrihi » lorsque donc le croyant est placé dans sa tombe, ou qu'on l'assise sa tombe, « utiya » c'est-à-dire bien sûr sont les, ici, allusions faites aux anges. « Thumma shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah » et qu'il témoigne donc « anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah » et ça donc c'est « al-qawl thabit » Et c'est pour ça que le prophète sallam ensuite il a cité donc ce verset. Yufabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah al-musta'an. Donc ça c'est une preuve aussi de la sunna pour ce qui est de l'interprétation du verset. Donc ça vient encore appuyer ce qu'on a dit bien sûr. Et dans, également dans un autre hadith, le prophète sallam yaqul wa laqad uhiya ilay annakum tuftanuna fil qubur. Il m'a été révélé que vous serez donc éprouvés dans vos tombes. Mithla ou qariban min fitnatil masih ad-dajjal. Pareil ou proche de la fitna, écoutez bien, donc c'est une grande fitna ça, subhanallah, c'est une preuve que ça va être une grande fitna. Ou qariban min fitnatil masih ad-dajjal, ou proche de l'épreuve de l'antéchrist, le masih ad-dajjal, de l'antéchrist, ad-dajjal. Ou le Nabi sallam, mithla ou qariban. Ici, mithla ou qariban, c'est chaque milieu rawi, c'est-à-dire que celui qui rapporte le hadith, il a un doute, donc il dit mith ou qariban. Le prophète sallam il a dit soit mith ou soit qariban. Donc hada shak min al-rawi. Mith ou qariban min fitnatil masih ad-dajjal. Ala kulli hal, que ce soit proche ou que ce soit exactement pareil, ici on s'aperçoit de l'importance et de la gravité de cette épreuve. Donc c'est pour ça qu'il est important lorsqu'on enterre quelqu'un qu'on lui demande, tafbit. Et ça c'est ce qui est venu dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. C'est-à-dire lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم avait fini d'enterrer le mort, lorsque le mort donc a fini d'être enterré. وقف عليه, c'est-à-dire حوله, c'est-à-dire aux alentours, c'est-à-dire que ce soit devant ou sur les côtés, il restait donc devant la tombe et il disait استغفروا لأخيكم, c'est-à-dire demandez pardon à votre frère. واسألوا له التثبيت. At-tafbit. Donc c'est le terme qui est employé par le prophète sallam. Fa innahu al-an yus'al. Fa innahu al-an yus'al. C'est-à-dire à ce moment-là, lorsqu'on a posé la tombe, le prophète sallam, lorsqu'on a fini de l'enterrer, idha faraha min dafni al-mayyit, il a fini qu'on enterre, on a fini d'enterrer le mort, il dit au Nabi sallam, istaghfiru li akhikum. À ce moment-là, il faut demander le pardon pour son frère. Was'alu lahu at-tafbit. Et donc, at-tathbit, c'est bien sûr l'affermissement. Donc, relation avec la parole d'Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Donc, on demande à Allah Azza wa Jalla. Was'alu lahu at-tathbit. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il affermit donc ce croyant. Fa'innahu al-an yus'al. C'est à ce moment-là où on lui demande, où on lui pose la question. Et bien sûr, référence ou allusion faite, bien sûr, aux deux anges. Pour ce qui est des deux anges, il faut savoir que les deux anges, ils s'appellent Al-Munkar ou Al-Nakir. Et cela est venu dans une seule version, c'est tout. C'est un seul hadith, une seule version qui nous est précisé ces noms. Pas 36, une seule version. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et qui est par une chaîne qui est authentique. Aou Arfon Hassan, c'est-à-dire acceptable. Hassan. Et le hadith d'avant, le hadith Uthman ibn Affan, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou Al-Hakim ou Al-Bayhaqi. Et qui est authentifié par l'imam al-Nawawi et également l'imam al-Albani. Par contre, ce hadith-là, ou cette version de ce hadith, c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, une chaîne de transmission qui est Hassan. Ataou malakan aswadan azraqan. Il lui vient deux anges qui sont noirs et bleus à la fois. Ça, on a vu bien sûr ce hadith dans les cours qui sont en relation avec la croyance aux anges. Yuqal li ahadima al-munkar wal-akhar al-nakir. Donc on dit. On appelle l'un d'eux Al-Munkar et l'autre Al-Nakir. Donc ça fait partie des noms que l'on sait parmi les anges. Ça fait partie donc min al-Iman al-Mufassal fi asma al-Malaika. Une question qui nous est posée ici, hal al-fitna lir-ruh aw al-jasad. Est-ce que l'épreuve concerne l'âme ou le corps? Est-ce que l'épreuve concerne l'âme ou le corps? La prochaine question dont on va traiter bi-idhnillahi ta'ala dans notre prochain cours, vendredi prochain, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.